Eh, c'est parti, on va faire les attaques. Alors là, est-ce qu'on met ça maintenant? Non, on va, voilà, justement, il faut éviter de mettre ça dès le début. Parce que sinon, le mec, bah déjà, on sait même pas ce qu'il a comme troupe, le mec, tu vois. Du coup, on sait pas si ça va nous servir ou pas. Donc, déjà, ah voilà, tu vois. Direct, eh ben, tu sais très bien ce qu'il faut envoyer. Hop, regarde, les flèches, ça va grave nous servir là. Un truc de fou, voilà, nickel. Franchement, là, on a bien fait. Bon, malheureusement, on aurait dû tirer les flèches avant de mettre la tombe. Bon, malheureusement, on a fait un peu de la merde. Mais c'est pas très grave, hein. Ça arrive des fois, on peut pas non plus être perfect de partout. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petit tour à bombe ici. Voilà. Il y a en plus parfait contre les barbares, franchement, on est GG. Regarde ça un peu. Hop là, boum, et boum, et boum. Voilà. Nous, par contre, ce qu'on va faire, on n'est pas cons, nous. On envoie nos petits barbares. Voilà. On envoie nos petits archers. Bon, le mec, hein, tu comprends bien que le mec, il a envie de détruire ma tour de gauche, hein, ça se voit direct. Donc, tu vois, les barbares qui font bien tank. Le mec qui a rien du tout pour les contrer. Hein, par exemple, ce qui pourrait les contrer, ce serait une tour, par exemple. Donc, par exemple, la tour à bombe. Ou alors le bombardier. Le bombardier contre extrêmement bien les barbares. Donc, faut faire attention. Si le mec, il a des bombardiers, faut faire attention. Hein. Ah, mais attends, mais il en avait un, le mec. Eh oui, mais sauf qu'il l'avait déjà tiré. Donc, forcément, ça nous aide. Voilà, ce qu'on va faire, on va, voilà, on va, justement, on va déplacer un petit peu le mec. Et on va envoyer nos petits barbares à la limite. Non, j'aurais peut-être pas dû. Ah, j'aurais pas dû, les barbares. C'est dommage. Voilà, malheureusement, j'ai fait n'importe quoi. Ça arrive, encore une fois. Voilà, donc du coup, on va mettre notre petite pierre tombale. On va envoyer, non, on va rien envoyer. Ah ouais, là, on a rien pour envoyer, là. C'est dommage, attends, ce qu'on va faire. Oh, la tour... qui détruit la tour. Ah, je savais pas ça. Toi, je connaissais pas la tour qui détruit la tour. Non, franchement, je connaissais pas. Je suis... ouais, franchement, bravo. Je savais pas. Ça m'a appris un truc, au moins. C'est plutôt cool. Voilà, on refout une petite tour, voilà. Là, on fout nos petits barbares. On va plutôt mettre ceux-là. Ah, malheureusement. Dommage. Voilà, allez, oui. Oui. Oh, magnifique. Ils sont pas morts. C'est vraiment magnifique. Ah, tu vois, le fireball, bim, parfait. Parfait pour contrer les barbares, le fireball, la bombe ou truc comme ça. C'est parfait. Franchement, bravo. GG le mec. Bravo, bravo. Alors là, franchement, si on défend pas bien, je sais pas qu'est-ce que c'est la défense pour toi. Hein. Ah ouais, non, mais là, on défend super bien. Allez, allez, allez. Nickel. Allez, vas-y, barre-toi. Nickel. Oh, franchement, là, on attaque trop bien, les gars. Donc, ouais, c'est vrai qu'on est plus en mode défense qu'attaque. Donc, forcément, on n'a pas forcément. Enfin, forcément, on n'a pas les 3 étoiles. Bon, ouais, c'est un peu difficile d'avoir les 3 étoiles. Mais il a l'air plutôt pas mal en défense. Ça, c'est sûr qu'en défense, il a l'air de gérer surtout sur le time rapide. Sur le. Quand le temps est rapide, il a l'air de bien gérer le x2, quoi. Quand il y a le x2, il a l'air vraiment de gérer. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et ben, on va se faire encore quelques attaques. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars. Oh, t'as vu? Ça a changé de décor, dis donc. Bon, allez, on va mettre une petite tour à bombe pour ces petits connards. Donc, du coup, après, ce qu'on va faire, on va envoyer nos petits gobelins ici. Voilà. Nous, on va envoyer nos petits barbares. Donc, on va voir s'il a quelque chose pour nous contrer les barbares. On le verra direct, hein. Il va sûrement l'envoyer ou je sais pas trop quoi y faire. Ah, des barbares, dis donc. Barbares contre barbares. C'est vrai que c'est pas con. Effectivement. Ouais, plutôt pas mal. Bon, voilà, hein. Qu'est-ce que tu te dis? Il nous a bien niqué du coup. Mais. C'est pas pour autant qu'on va perdre. C'est moi qui te le dis. Alors, hop, on envoie les petits archers. Ah oui, oh, les fléchettes, je les avais oubliées. Mince. Ça aurait été parfait, putain. Ah ouais, bah tu vois, j'ai fait de la merde. J'ai oublié les fléchettes. Et ça aurait été parfait sur le groupe qu'il y avait là-haut, là. Oh, j'aurais pu faire un dégât de monstre. Malheureusement, vu que bah, je suis un peu tête en l'air, voilà, bah, ça arrive. Du coup, malheureusement, j'ai fait de la merde. Mais bon, pas très grave. Alors là, mousquetaire, pas de souci. On a les gobelins et ça nique tout. On attend qu'ils touchent un peu la tour et les gobelins font le taf derrière. Donc c'est magnifique. Alors là, le gars, il a envoyé les flèches comme ça. Me dis pas que c'est pour niquer les gobelins. Il faut pas me prendre pour un con. Hein. J'ai vu direct dans son jeu qu'est-ce qu'il voulait faire. Hein. Bon allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer les barbares. Cette fois-ci, on va pas faire de la merde. Hein, parce que bon... Tout à l'heure, on a fait vraiment de la merde. Ça, c'est clair. Allez. Voilà. Ah là là, non, on est en train de se faire niquer grave, là.
Ouais, malheureusement, c'est bien fait niquer. Bon, pas très grave. On va envoyer. Ah, voilà, nickel. Allez, 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 on va aller. On va aller, on va aller. Allez, non, mais non, bouge pas là. Voilà. Bon, on est en train de faire n'importe quoi. De chez n'importe quoi. Allez, c'est parti. On attaque, les gars. Là, pas de pitié. On envoie la sauce là. Allez, allez, allez. Voilà. Non, c'est dégueulasse. Du coup, je vais me faire niquer mes troupes, quoi. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Attends. On va mettre ça. Je serais même tenté de le mettre devant. Ça pourrait être pas mal. Bon, on va mettre ça, ouais. On va envoyer les petites fléchettes. Allez, allez, allez. Nickel. Nickel, nickel. On envoie les fléchettes, tout le bordel. Voilà. Non, je m'en fous, il nous niquera pas notre tour. Aïe, 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 on en met une, on en met une. Vite, 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 mets la tour, tête de con. Mets la tour. Non. Oh, putain, l'enculé. Oh, j'ai cru qu'il m'avait détruit ma tour et tout. Eh, franchement, t'as pas intérêt à faire ça, mon gars. Vas-y, mais non. Mais t'es pas loyal, gros. Mais qu'est-ce que tu veux que je gagne, moi, après, derrière? T'as vu ça un peu? C'est zéro d'enculé, mais me dites pas que c'est loyal, ça. C'est pas loyal du tout. C'est des mecs, mais... Pff. C'est des mecs qui doivent être patrons, à mon avis. Je sais pas pourquoi, parce que... Il y a que les patrons pour faire des trucs d'enculé comme ça. Mais bon. Du coup, je sais très bien qu'est-ce qui va pas sur notre deck. C'est ces enculés qui font ça. Ah là, tu peux pas contrer, là, c'est pas possible. Tu peux rien contrer du tout. C'est impossible. Tu peux pas contrer un roquette. Donc, ça fait partie des défauts. Ça fait partie des défauts du deck. Malheureusement, ça fait partie des défauts de tous les decks. Parce que personne peut contrer ça. Et c'est ce qui casse les couilles sur Clash Royale. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il devrait mettre un sort. Par exemple, tu vois, tu vois, le mec, il envoie une roquette. Tu dis, oh non! Du coup, tu mets ton sort sur la tour et hop, le roquette lui fait rien. Ça pourrait être pas mal. Tu vois, ça serait intelligent de Supercell. Et là, ok, je dirais oui. Ok, pour les missiles. Là, ça serait intelligent. Tu vois le truc? Non, mais attends, je viens d'avoir une idée de ouf. Ah ouais, mais attends. Ça serait magnifique. Ah là, ça rendrait le jeu déjà plus intéressant. Eh, attention. Bon. Deuxième attaque. Je vais la mettre parce que, effectivement, il y a un défaut. C'est ça. Mais au moins, ça vous montre quand même qu'au niveau défense, il envoie la patate. C'est vrai qu'au niveau attaque, il est pas performant. Mais au niveau défense, ah, il n'y a pas de souci, tu défends. Donc, ouais, c'est plus un deck de défense, du coup, qu'un deck d'attaque. Mais il peut quand même un petit peu attaquer. Ça dépend comment tu t'y prends. Ça dépend qui c'est que tu as en face. Ça dépend. Donc, voilà. Du coup, on va se faire encore une dernière attaque. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. Bon, on va lui faire un peu peur. On va lui montrer une facette un peu bizarre de nous. Genre, on a que des deck spawners, tu sais. Non, mais genre, on fait style et tout. Tu fais style, t'as que des deck spawners. Merde, putain, allez la troupe là. Allez la troupe, mais oh, franchement, ça me saoule. Ce putain de boostack de merde qui lag sa mère. Ah, c'est un truc de ouf. Mais qu'est-ce que tu veux, moi? En 2 secondes chrono, je me fais niquer ma tour après. T'as même pas le temps de placer une tour, enfin une troupe, qu'est-ce que tu veux? Tu peux rien faire. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi l'archer est parti à droite là. J'ai pas compris. Faudra m'expliquer un jour. Parce que bon, ça serait pas mal. Oui, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Ça défend que dalle. Effectivement, c'est vrai que je suis un peu con. Ça arrive. Mais d'un côté, il y a le tour principal qui défend, c'est pas mal. Ah, pas mal. Ouais, ok, d'accord. On va attendre que les barbares viennent. Du coup, on va pouvoir les défoncer, regarde. Hop, allez la tour. Allez la tour, allez, tu peux y arriver. Non, même pas. Ok, rien à foutre la tour, rien à foutre. Pas de soucis, la tour. Oh non, j'ai pas envie. La flemme de faire quoi que ce soit. Bon, allez. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va se déchaîner un peu. Parce que le mec, il nous a niqué dès le début, parce qu'on a fait de la merde. Et donc, du coup, on va se venger et on va lui niquer une tour. Allez, c'est parti, tu peux y arriver. Tu peux le faire. Allez, allez, tu peux le faire. Allez, oui. Oh là là. Ah putain, ça c'est bon ça. Le mec a tellement mal défendu que ça c'est bon. Ok, donc ça c'est fait. Ce qu'on va faire, on va mettre des petits archers à la limite. Voilà. Le mec, voilà, il met son petit truc, il est content. Hop, nous on met nos petits squelettes. Voilà, on est content. Voilà, nickel. Ça c'est parfait. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, on va mettre nos barbares. On va mettre nos petits gobelins. On va préparer, voilà, nos flèches. Parce que j'en étais sûr qu'il allait faire ça. Voilà. On va mettre une petite tour à bombe juste ici. Parce que nous, on est intelligents.
et on a envie de défendre nos petites troupes. Voilà. Donc du coup, on va aussi mettre ça à la limite. Voilà. On va mettre nos petits barbares. Parce que nous, on est des fous, hein. Et on met nos petits gobelins à lance. Voilà, voilà. Donc ça, c'est magnifique. On met nos petits archers. Voilà, pas besoin de défendre avec des flèches. Quoique, ça pourrait être pas mal. Malheureusement, on a fait de la merde. Mais bon, ça arrive. Non, on a vraiment fait de la merde, hein. Putain. Allez, squelette, là, mets-le. Voilà. Dis donc, oh. Pas me faire chier longtemps, toi. Allez, voilà. Mes archers, voilà. Mets les gobelins, voilà. Voilà, là on va pas mettre de tour, là ça sert à rien. Voilà, là on est en train de se faire niquer parce que bon on est con. Mais on va avoir une égalité je pense. Hein. Je pense. Attends. Ce qu'on va faire, ça. Le mec a vraiment cru qu'il allait niquer comme ça quoi. Le mec s'est dit tiens, on va peut-être le niquer comme ça. Easy money. Vas-y là, mais tue-le ce putain d'enculé là. Merci beaucoup. Voilà. Allez, tu peux y arriver. Allez, on prépare les flèches. Voilà, nickel. Allez, les flèches. Allez, deux ans plus tard, toujours les flèches. Putain, dis, elles sont longues ces flèches. Hein. Ah, déjà que le truc lag, comme c'est pas permis, mais en plus les flèches qui mettent 2 ans, bah on s'en sort plus. Hein. Ah ouais, mais on s'en sort plus du tout. Allez, on met ça. Voilà. On remet une pierre tombale. Ouais, donc petit à petit, on les grignote. Bon, on finira pas, hein, malheureusement. Hein. Ouais, c'est très rare de faire des 3 étoiles avec ce deck. Mais, franchement, plutôt pas mal. Donc le sorcier qui contre très bien aussi, eh oui, contre très bien les barbares, notamment. Les barbares et toutes nos troupes, en fait. Donc c'est vrai que le sorcier fait partie aussi un peu des troupes qui nous cassent les couilles. Comme la sorcière aussi, la sorcière nous casse extrêmement les couilles. Hein. Donc par exemple, si le mec a un deck juste comme ça, hein, si le mec, je vais te dire ça tout de suite. Non, pas du tout là. Donc imaginons que le mec... Ouais, calme-toi. Imaginons que le mec, par exemple, il a la tour à bombe. Le mec, il a la tour à bombe. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a le géant, pourquoi pas. La tour à bombe, le géant, la sorcière, le bombardier, l'armée de squelettes. Derrière, le mec a aussi, par exemple, une fireball ou un truc dans le genre. Le mec a, pourquoi pas, une horde de gargouilles. Un sort de gel, pourquoi pas, ou même... c'est où? C'est quoi le truc, là? Ah oui, le sorcier, bah je l'ai pas. Mais imagine la sorcière aussi, par exemple. Tu vois, tous les trucs comme ça. Et ben, du coup, bah hop, on est foutu, quoi. Enfin, on n'est pas forcément foutu, mais ça devient plus dur. Par exemple, elle aussi, voilà, il y a elle en face. Ça nous nique aussi un peu le délire. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là. On va pas faire plus d'attaques. Les attaques étaient suffisamment descriptives du deck. Donc, un deck qui attaque plutôt bien, mais qui... qui attaque plutôt bien. Qui défend plutôt bien, mais qui attaque pas vraiment énormément. Donc c'est difficile d'attaquer avec. Mais du coup, ça fait qu'on arrive à grignoter la tour en face. Donc on défend bien, extrêmement bien même, j'ai envie de dire. Et puis en même temps, on arrive un peu à attaquer. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué suivant les troupes qu'il y a en face. Surtout les troupes comme les sorcières, comme j'ai dit, hein, les sorcières, les valkyries, tout ça. Ça nique en groupe et donc du coup bah ça nous tue vite fait nos troupes. Mais bon, il y a quand même les barbares qui sont là pour tanker un peu. Donc ça fait plaisir. Donc plutôt pas mal. Après c'est vrai que il y a 2 rares. Puis après les autres c'est du commun. Donc ça devrait être plutôt facile à avoir. Généralement voilà, donc là il n'y a rien. Voilà, donc il suffit d'être arène 3. C'est pas énorme non plus. Il y a juste les barbares en plus arène 3. Après c'est tout arène 2, arène 1. Donc c'est, ouais, c'est plutôt simple à avoir comme deck. C'est pas non plus extrêmement long. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà. Donc du coup, bah voilà, j'espère que ce 3e deck vous aura plu. Hein. 3e petit deck. Donc voilà. Donc du coup, bah. J'en ai fini pour les attaques. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis voilà. Allez. Ciao tout le monde. Ciao.